Bonjour et bienvenue, on est de retour dans la survie du week-end. Il fait complètement noir, nous sommes dans les mines, on explore. Je suis assez content, on n'a toujours pas le mal de l'enfermement, mais je pense qu'il va pas tarder. Donc la dernière fois on s'est arrêté ici, c'était plutôt assez intéressant en fait. On est allé dans les mines, on a esquivé le brouillard électrique, je sais plus trop quoi. On a esquivé ça, on va pas tout boire non plus. On a esquivé aussi le gaz. On a un masque à gaz avec un filtre. Donc ça se passe bien pour le moment, je suis assez content. On a déposé ça, on est à 43 sur 45, c'est très potable. On a un nouveau vêtement, ça je vais le garder sur moi parce que c'est quand même les meilleurs vêtements qu'on peut trouver. Ouais, go. Alors ça c'est un cul-de-sac, ça c'est l'entrée. Donc nous on va passer par là, parce que je vais pas aller sur les rails. J'ai un peu peur, on sait jamais. Qu'il y a vraiment encore des trucs qui bougent. M'étonnerait, hein. Mais bon, il faut être prudent. Donc on va se balader encore. Ok, il n'y a rien du tout. C'est un peu embêtant parce qu'avec cette lampe on voit pas grand chose. Enfin c'est toutes les lampes elles sont comme ça. Comme à chaque fois je dis ça éblouit un peu là. J'arrive pas à voir vraiment devant s'il y a quelque chose de grave. Genre du gaz par exemple. Alors, où est-ce qu'on est? This way out. Oui, c'est d'où on vient. Y'a quoi là? On a du charbon un peu partout. Pour l'instant, on n'a pas de problème. Ça, on prend. Ouh, ça, c'est bon. Très bien. Le seul problème que j'ai pour le moment, qui me fait un peu peur, c'est le poids. On a beaucoup de poids. On a beaucoup de poids. Et ça, je suis pas fan. Oh. C'est un peu étrange que cet allumage ne prenne aucune chose, en fait. Ouais, je regarde si on n'avait pas du courant. C'est quoi ce bruit? Un bruit bizarre. Donc on a récupéré de la nourriture, c'est bien. Bon après c'est juste de ça, mais c'est pas mal non plus. On en a deux, c'est 0,20 lin, ça marche. On a des cafés. Je suis en train de vérifier l'inventaire. Je le vérifie un peu plus parce que c'est vrai que là on est un peu en situation un peu dangereuse, extrême. Après techniquement on peut sortir de la mine, il n'y a pas trop de problème. Et là on peut faire demi-tour, il n'y a pas de problème. Il y a juste du gaz à l'extérieur j'ai envie de dire. On va prendre un charbon quand même. Si jamais on doit faire du feu pour qu'il dure longtemps. Alors ça c'est quoi? This way out, ok. À droite encore, c'est la sortie. Ça marche. Think wear proper safety equipment, ok. J'ai pas. Ouais, bah l'équipement, pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Y'a un mec. Oh, nickel. Ah putain, non. On va se fatiguer un peu plus là. Ça, c'est chiant ça. Si je fais ça. Comme ça on se fatigue pas trop. Je suis assez surpris qu'on n'ait pas rencontré du gaz en intérieur en fait pour le moment. J'avoue être surpris par ça. Je m'en plains pas, attention. Hein. Je m'en plains pas du tout. Hein. Mais ouais, je suis surpris. Oh mon dieu, c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que dans la torse?
toute façon, il y a du charbon partout. C'est super calme. Non, c'est vraiment pas besoin. C'est toujours super calme. Donc là, il y a un endroit, je crois, qu'on peut passer. On pouvait descendre. Accroupi, mais... Ah! Alors, comment ça marche, le gaz? 48 secondes. J'ai envie de tester un truc. Genre, là, on est à 40 secondes, ok? Ça marche. Ok. Si je l'enlève. 30 secondes. Ah, merde. J'ai voulu tester un truc. Donc, je pense que vous avez compris. C'était, est-ce que ça reset mon temps, en fait? De respiration. Est-ce que je peux prendre une bouffée d'air dans mon masque, le retirer? Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, ça descend, mais alors méga, méga vite. Tiens, on voit pas la barre. Il n'y a pas un endroit pour voir la barre? C'est bizarre. Genre, ça, c'est ce qu'il y a sur le masque. On voit pas l'animation parce que... Parce que... On est dans le noir. Intéressant. Ah, ça descend super vite. J'ai un peu peur que ça soit un problème, en fait. Que ça descende aussi vite. Après, ce qu'on peut faire, c'est avancer pendant genre une trentaine de secondes. On n'a plus le debuff, ouais. On peut avancer pendant une trentaine de secondes et après mettre le masque. Comme ça, on gagne du temps. On peut faire ça aussi. Et je pense que je vais faire ça pour économiser. Mais par contre, je veux bien vérifier là. Eh ben putain, les mecs, ils s'est mis là, quoi. Ah, faut pas être claustrophobe, hein. Vache. Ok, cool. Donc tu es qui, toi? Clé du bureau de la mine. Une clé datant des heures sombres de la mine de Langston. Du bureau? Oh là là, je me rappelle plus où c'était le bureau. Si vous vous rappelez... Merde. Risque d'étouffement. Attendez, on est en surpoids. On est un peu en surpoids, c'est un peu le problème. Je voudrais pas être en surpoids, en fait. Alors, vite, vite, vite. Ah ! Ok, on est bon. Pas besoin de mettre le masque. C'est peut-être du gaz de l'autre côté, en fait. À travers la paroi, vous savez. On le sent. Bon bah c'est nickel. Donc on a trouvé une clé. Une seule pour le moment. Toxique. Yes, très bien. On a trouvé une seule clé. Danger, toxique gaz. Torche à 100%. Un truc qu'on peut faire aussi, c'est enlever nos vêtements qui retirent notre endurance. Ok. Non, on est bon. On est en dehors. C'est bon. Intéressant. On aurait pu passer, honnêtement. Ouais, on aurait pu passer sans avoir à utiliser
Le masque. Ouais. Alors la prochaine fois qu'on va faire ça, vu qu'on est en intérieur, ce qu'il faut faire, c'est retirer ça. Alors, ça va nous peser un peu plus lourd par contre. Fais voir, on va être combien? Là, on est à 45 kilos. On passe à 47, c'est pas énorme. Mais du coup, on aura une bonne barre d'endurance. Et on pourra tracer. Ouais, la prochaine fois, il faut faire ça. Pour économiser le plus possible. Parce que c'est débile, parce que là, on n'a pas froid, en fait. Bon, ça, je vais le jeter. Mais ouais, pensez à faire ça, si vous voulez économiser les filtres. Parce que vous avez quand même le temps. Les bottes à droite. C'est les bottes chimiques. Oh, nickel. Elles sont bonnes. 43%. Alors, d'une... Ah, attendez, on va la lire là. D'une étanchéité exemplaire, ces bottes sont idéales pour les environnements souterrains humides. Elles résistent également aux produits chimiques et autres polluants toxiques. Ça marche, nickel. Nickel, nickel. Fais voir un peu la... Ouais, la chaleur, c'est pas trop ça. On perd 1 degré. On perd 1 degré. Le coupe-vent est mieux, je pense, parce qu'elle est à 43%. Étanchéité, c'est mieux. À défense, c'est moins bien aussi. Par contre, on perd encore en endurance, hein, en sprinté. Ça, c'est chiant, ça. Ça, c'est chiant. Comment on les répare? Attendez. Comment on les répare? What? On peut pas les réparer? Oh merde. D'accord. J'espère qu'elle s'use pas, hein. Normalement, si je retourne dans le gaz, là, on est à... Ok, ouais, c'est bon. Tant que... Ouais, faut qu'on soit guéri du risque d'étouffement. Bon, mais je suis content, on a les bottes. Mais putain, les bottes, si elles s'abîment, si elles se cassent, on fait quoi? Rien, on pleure, c'est ça? Putain, ça c'est con qu'elles peuvent pas s'être réparées. C'est débile. C'est honnêtement débile. Y'a quoi dedans? Genre, prends du cuir, je sais pas, du cuir séché. Oh, y'a une lampe. Cuir séché, hop, c'est bon. Là, je suis content, c'est super fun de faire les mines. J'avais peur, j'avais honnêtement peur, mais en fait maintenant là c'est plutôt le fun de l'exploration qui m'intéresse. J'avais peur aussi pour le masque en fait, mais au final ça va, si on joue comme ça et qu'on utilise les 40 secondes là qu'on a, les 50 secondes, ça passe mieux, ça passe nettement mieux. Je vais voir la lampe. Celle-là on pourrait la casser et récupérer le fuel. Ça c'est encore merci qu'on me l'ait dit parce que c'est vrai que j'ai jamais testé. Donc on pourrait, parce que je pourrais l'utiliser et du coup ça utiliserait du fuel normalement. Wow. What the fuck. Ouh, il y a un cadenas là. Un coup de boulon. Oh mon dieu, c'est où qu'on a mis un coup de boulon, nous? Je sais qu'on avait un coup de boulon dans... Oh mon dieu, c'était quelle zone? C'est quelle zone qu'on avait un coupe-boulon? Je sais que dans une zone on a un coupe-boulon, je crois bien. Non? Je me rappelle plus. Il va falloir que je regarde ça. Après, j'imagine que quand même on n'a pas besoin d'un coupe-boulon d'une autre région parce que ça serait quand même un peu fou. Mais si vraiment on en a besoin, bah ouais, je sais où aller. Enfin non, je sais pas où aller parce que je me rappelle pas. Ouais, faudrait que je regarde. Non, c'était peut-être pas un coupe-boulon, c'était une manivelle qu'on avait, je crois. Ah, j'ai un doute maintenant, je me rappelle plus. Bon, on va un peu visiter. Par contre, je suis un peu fatigué, mais bon.
Non, c'était. Non, alors désolé, c'est peut-être. Je dis peut-être des conneries. C'est peut-être pas un coupe-boulon qu'on avait trouvé. C'était une manivelle pour un ascenseur, si vous vous rappelez. Bon, pour l'instant, on n'a pas de toxique, ça va. Bizarre qu'il n'y ait pas de vapeur toxique en fait. Ouais, et comme je disais là pour la lampe, du coup le mieux ça serait de la casser, comme ça on récupère le fuel et on le met dans ma lampe. Parce que ma lampe elle consomme moins. Ah, du gaz. Par contre, je suis quand même vachement fatigué. Je veux bien dormir une heure, honnêtement. Une heure ou deux. On va reprendre le truc. Alors là, on va sûrement avoir le mal de l'enfermement, mais c'est pas très grave. On se débrouillera de toute façon avec le mal de l'enfermement. On a plein de bulles bois avec du tissu. Pff, on l'a toujours pas, je suis étonné. Ou alors, peut-être qu'on l'a pas dans la mine. Peut-être que c'est pas considéré comme un intérieur, je sais pas. Je vais être honnête, je suis un peu perplexe par rapport à ça. On va enlever ça. Et après, c'est quoi qui nous prend beaucoup d'endurance? C'est ça, mais après le reste, on va pas l'enlever. Non, le pire, c'est le pire, c'est ça, ouais, moi. On a moins 40%. Non, on va pas boire parce que sinon on va peut-être qu'on va devoir prendre du café. On n'a pas froid. Non. Ok. Risque d'entorse, oui, y a pas de problème. On est un peu lent parce qu'on est un peu lourd. Je peux pas vraiment faire grand chose pour baisser mon poids. Un peu le sprint, c'est pas énorme. Attends, on peut toujours laisser des pieds de biche et tout ça, hein, mais bon, j'ai pas vraiment envie de laisser des outils, quoi. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, est-ce qu'on va être toujours aussi rapide? Vous savez, on a plus d'endurance, on peut sprinter plus longtemps, mais au final, est-ce que... Non, mais je crois que c'est... Non, mais je crois que c'est bien. On va y aller, on va y aller. On va y aller. Ok, donc... Le masque, il est là. Ah, attendez, on va se mettre comme ça. Hop. Voilà, nickel. Je peux mettre le masque facilement. Parce que je l'ai pas dans le... Ah, si! Ok, je l'ai maintenant. Bizarre. Ok, d'accord. C'est pas grave. Let's go. On va boire. Un peu. Ça nous baissera le poids, du coup. Parce qu'au final, j'ai dit que je voulais pas boire au max. Mais... Okay. On est prêt? On y va. On ouvre ses yeux pour voir si on loupe pas quelque chose. Secondes, 30,
13. Oh, on est bon. Nickel. Vous voyez la technique du... La technique du sprint. À retirer les vêtements. Putain, je suis trop fort, je suis trop fort. Je suis content. Oh, pardon. Je suis content. Ça, c'est bien. Ça c'est le fait de connaître un peu le jeu et tout ça. Enfin, de connaître beaucoup le jeu. Oh, nickel. Ouh, deux d'affilée. Nickel. Ça, ça fait plaisir de voir que de la connaissance paye comme ça. Oh mon dieu, c'est blindé de trucs ici. Oh la vache. On va essayer de tout prendre. En fait, faudrait trouver une sortie maintenant, parce que là, j'avoue que... Il y a l'ascenseur là, apparemment. Quitter la mine, ok, ça marche. Oh, oh mon dieu! Mais c'est méga grand encore! Je prends un screenshot. Clé du contremaître. Nous on a quoi? Nous on a clé du... Putain, je sais même pas où on voit les objets. On voit les objets qu'on a récupérés? Non. Si si si. Oh, je sais plus du tout. Transmetteur, recette spéciale, photo instantanée, souvenir. Souvenir. Les souvenirs. Pas là. C'est le transmetteur note. Je sais pas du tout. Alors, si vous savez, hein, je veux bien savoir. On a une clé, je crois. C'est pas, je crois que c'est le contremaître. Non, 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 c'est de la chef de la mine ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ça, c'est contre-maître. Bon. Bon, bon, bon. De toute façon, j'ai pris des screenshots. On voit des trucs à travers les fenêtres. Ah, on peut encore prendre des trucs. On va monter. Ça a l'air gigantesque encore. Honnêtement, super boulot sur la zone. Elle est méga fun. Du tissu. On est... C'est la nuit ou le jour? Ok, il fait jour. Et encore en haut. Par contre, vous vous sentez complètement enfermé hein, ici. Hein. Parce que c'est tellement grand, vous savez même pas par où passer pour sortir. Ça fait peur, quoi, dans un sens. Parce que si vous avez plus de nourriture, plus rien, vous faites quoi? Vous bouffez votre main, c'est ça? C'est la galère, quoi. C'est juste un livre. Café, très bien. Ah, la vache. Détruirai la lampe si jamais vraiment on est à court de fuel, mais ce serait étonnant. Mais voilà, si jamais on est vraiment à court de fuel, la deuxième lampe qu'on a là, je la détruirai. Oh, let's go! Oh merde, il est abîmé, il est cassé. Ah non, ça va. On peut pas le réparer non plus. On gagne quoi? On gagne strictement rien. Ok. C'est bête parce que... C'est bête parce qu'on gagne rien du tout.
Il a pas vraiment plus de défense, il a 4%, c'est ça? 4%? Nous on a 4% aussi. Ouais, ça c'est un peu bête. Casque léger et durable conçu pour les longues journées de travail. Il offre une excellente protection physique au détriment de la chaleur et de la résistance au vent. Non, 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 non. C'est pas exceptionnel du tout. Non, non, c'est plutôt nul. Honnêtement, il devrait le mettre à 5. Minimum 5. Grand maximum. Après, ça serait peut-être un peu pété. 10%. 10%, c'est quoi ça? Une bombe de peinture. Il y a... Ok. Ça fait un peu peur, mais ça va. Ah, on a fait le tour. Attendez, est-ce que j'ai vraiment fait le tour? Mais ouais, non, ils auraient dû faire un effort, là. Ils auraient dû faire un petit effort... refais le tour vite fait. Donc on a encore des bâtiments à ouvrir. C'est ouf. Il y a des tissus. On pourrait prendre, j'en ai vu, il y en a deux en tout. D'abord, je vais aller voir là-bas. Où est-ce que ça mène? Est-ce qu'il y a encore du gaz ou pas? S'il y a encore du gaz, par contre, on va pas le refaire. Parce que on est vraiment très fatigué. Ça commence à être un peu chaud en fait. Mais je suis assez curieux de savoir ce qu'il y a en fait. Au final. C'est quoi ça? Elevator? Ouais. Ah ouais, non mais c'est grand. Bon, on va prendre, on va voir si vraiment on peut sortir par là-bas. Parce que là on commence un peu... Ça devient embêtant parce qu'on se charge et on se charge et on n'arrête pas de se charger. Si jamais on doit prendre genre une corde ou un truc comme ça, c'est mort. Parce que là j'ai un peu peur que... On arrive dans la cage d'escalier, non pas d'escalier, de l'ascenseur. Vous savez, il y a un bâtiment avec une corde qui pend, avec un câble qui pend. J'ai peur que ça soit ça. C'est marrant parce qu'il y a des trucs accrochés directement au plafond, ça c'est débile par contre. C'est un peu débile. Floor 3, il y avait écrit, étage numéro 3. Où est-ce qu'on est? Ah bah c'est celle-là. C'est bien ça. Donc là on est de retour à l'intérieur, ça marche. Ah on va lutter hein, pour prendre les escaliers là. Se repose ou pas? On devrait se reposer. On va se reposer. On va se reposer. Attendez que je me place bien. On voit rien du tout. On va se mettre... Y a rien là. Bah, oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, non, 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 oh putain de ta mère. Ne me dis pas que... Chieux quoi. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est ça. On va dormir un peu.
ravitailler. Ok, très bien. Faudrait qu'on soit en dessous des 45. Bon, ça va pas être très difficile parce qu'on a beaucoup de n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut vraiment genre laisser et pas prendre du tout? Techniquement, oui, mais j'ai vraiment envie de tout prendre avec moi, en fait. Ah non, plus, parce que le sac, je l'ai déjà déposé. Le sac, je l'ai déjà déposé. Du coup, ça veut dire qu'on est encore plus lourd que prévu. Très bien. On va virer ça aussi. Après, on peut faire des allers-retours, hein, y a pas de problème. On va virer ça. 45. On est à 45-24. C'est un peu embêtant là, j'avoue. Désolé, je vais prendre un peu de temps, mais c'est un peu relou. Ça, 43-59. On va dormir et on va voir un peu ce que ça nous donne. Il y a l'eau aussi qu'on peut virer. Mais ah oui, attendez, faut qu'on mette ça aussi. Alors, pourquoi je dors ici? Parce que je suspecte que peut-être le mal de l'enfermement ne fonctionne pas dans la mine. C'est pas considéré comme un enfermement dans la mine, peut-être. Toujours pas, hein. Toujours pas, hein. Donc, alors, fais voir un peu. Oh, bien, 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 bien. On s'est reposé, on s'est pas... Oui, bah si, on a fait quand même 5 heures, pardon. Pas 50, 5 heures. On ouvre la... Ah mais j'ai pas d'ouvre-boîte. Sur moi. Je préfère ne pas forcer. On va boire ça. Nickel, nickel, nickel. Désolé, je prends toujours énormément de temps à choisir quoi laisser. Je sais qu'on pourrait faire un aller-retour, mais bon, c'est un peu compliqué pour moi. Bon, bah, il y a l'eau. Je vais voir notre calorie. Ouais. On va faire ça. C'est bon. Peut-être que je redescendrai pour... De toute façon, on va sûrement devoir y revenir parce qu'on a une porte à ouvrir. Alors... Il y a un passage, là. À la gauche. Là, 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 il y a un passage. Ok, rebord. Ok, on ne s'est pas fatigué. Faut faire attention parce que si on se fatigue... Floor 2, ok. Si jamais on se fatigue, on va plus pouvoir reprendre la corde. Donc, bon. On a du bois, on a du charbon. Intéressant. Vers la mine. Donc là, on est au deuxième étage. Donc il y aurait 3 étages de mine. Putain, c'est ouf quand même. Ou alors que seulement 2. Ouais, mais là, je repars encore à l'aventure, là. Ouais, non, 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 non. Non, 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 non. Non, parce que là, on repart encore à l'aventure. On est toujours blindé d'affaires. Donc, non, c'est un peu débile. Là, on va prendre la corde. On s'arrête pas jusqu'à monter. Et arriver là où il faut.
Bon, j'ai dit ça, mais je suis quand même curieux de voir le reste aussi. Donc, est-ce que là, on peut passer? Comme ça, on sait au moins. Là aussi, c'est le bordel. Ouais, c'est méga grand. Ok. Ça marche. Eh ben. Ça, par contre, la grande montée. Ah, quoi que c'est peut-être à gauche. Yes! C'est bon, on y est. Là aussi, du tissu. Le tien, on va en profiter. Nickel, on y est, ça y est. Eh ben, putain. On peut rentrer à la maison. Alors par contre, je sais plus exactement à quelle partie des bâtiments on est. Et maintenant, on a des bottes. On va tester les bottes direct. Il fait pas froid en plus. Donc on a le masque et on a les bottes. C'est parfait, nickel. Alors ça. Ça. Les allumettes maintenant, c'est un bordel monstre, ça me rend fou. Très bien, on a en nourriture. Ça, il faut le garder. Et ça, on peut le faire cuire en fait, les deux. Ça, non. 500 calories, on va le garder quand même. Là, on a les bonbons, c'est bien. On commence déjà à être fatigué. On a ça. On va les jeter à l'intérieur. Eh ben, c'était une super aventure. Donc, par contre, ce que je veux faire avant qu'on se quitte, là, avant... Parce qu'il reste encore un petit moment. Ce que je voudrais faire, c'est voir... Tester les bottes. Absolument tester les bottes. Alors, les vêtements. Bon, ça, hélas, c'est un peu de la merde. Donc c'est un peu triste. Ouais, c'est un peu triste. Les bottes, c'est bien. À la limite, je crois qu'on va mettre que les bottes. Enfin, les nôtres, on va les jeter. Pour l'instant, on va les garder de côté. Parce que sinon, elles vont s'abîmer. Enfin, non, ça sert à rien de les... Enfin, elles protègent du vent. On est quoi? On est à 1, là. Et là, c'est 2, c'est ça? Là, c'est 2. Oui, techniquement, c'est pas bien, mais on va pas se... Déjà qu'on se balade avec de l'équipement supplémentaire, on va pas se balader avec... avec deux paires de chaussures non plus. Faut peut-être pas exagérer, quand même. Ouais, non, parce que le poids... hein, faut pas exagérer. Ça, je vais en déposer un là... à 40 kilos. Là, on peut déposer ça. Enfin, quoi que. On va les mettre sur le feu.
La 1, nickel. C'est vraiment bien, honnêtement. C'est vraiment bien. Ça se passe super bien. On récupère plein de trucs. Petit à petit, on récupère vraiment plein de trucs. C'est... Maintenant, ça va. Je commence à m'habituer un peu avec le gaz et tout. Et puis, on a notre technique de retirer nos vêtements pour sprinter. C'est peut-être pas le plus simple et le mieux pour la fatigue. Parce qu'il faut à chaque fois qu'on dorme et tout ça, et on se fatigue beaucoup. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. Ça économise énormément le gaz. Alors, maintenant, la question, c'est est-ce que les filtres... On les garde tous ou on en pose quelques-uns par terre? Parce que c'est peut-être un peu beaucoup là quand même. On a 1 kg de filtre. Je sais pas si ça vaut le coup de les garder. On va voir. Alors, ça, ça. Nickel. Parfait. Très bien. Alors, allons tester ça. Donc, 43%, ça marche. Ah, il y en a où là? Le terrain est un peu pourri. Normalement, il y en a un autre, je pense. On va d'abord me faire le loup, en fait. Je crois qu'il y en avait deux qui nous pourchassaient. Non? Bon, ça a l'air d'être tranquille. Alors. Je vais voir, j'ai essayé de retenir en fait les pourcentages de mes vêtements. Là. Genre, fais voir un peu. On est à 43. 80, 80. Ok, on a toujours ça. Mais ça, c'est pas de problème. 41, 80, 80, 43. Ok. Ok, ça prend plus. On prend pas de dégâts pour les bottes, j'ai l'impression. Ok, ça marche. Les bottes fonctionnent bien. Après, pour éviter de l'intoxication, il faudrait utiliser le masque. Mais j'ai envie de d'économiser le masque, personnellement. Il y a strictement rien. ...11%. Fais voir un peu. 80, 81... Il n'y a rien qui a pris. On est bon. Les bottes ont pas l'air de bouger. Ça va. Au final, c'est pas extrêmement un problème, le poison. Si on... Si on sait comment le gérer. Ok. Poison ici ou pas? On a 11%. Ah, il y a un corps. Oh, it's getting dark out here. Time to look for shelter. 11%. Celui-là qui a mis l'étagère là devant le casier, c'est un con. Hein. Il doit faire chier tout le monde. J'en ai marre de voir des bonbonnes, hein. Ça sert à rien.
Donnez-moi un thermos. Là, on a chaud là par contre, ça c'est bien. Ça a pas l'air de descendre. Pour le moment. Peut-être parce qu'on est trop près, je sais pas. Peut-être se bouger là parce que je pense qu'on doit prendre du toxique là. Je vais jamais en trouver un, moi. Je sens que je vais jamais le trouver. Ça va me rendre fou. Ça va me rendre fou. C'est la seule chose qui me... Enfin non, non, c'est pas la seule chose qui manque, mais... qui m'intéresse, vraiment. Ah non, ça va. On dirait que ça partait plus rapidement avant, non? Je sais pas, c'est bizarre. Bon, les bots sont top. Les bots sont top. Les bots sont très bien, parce qu'en plus, elles ont, honnêtement, elles ont une bonne résistance. Par rapport au froid et tout. Donc c'est cool. Je pense qu'on peut maintenant prendre les zones de poison sans trop de problèmes. Faut juste pas trop rester dedans. Si jamais on veut éviter d'utiliser le respirateur là pour éviter d'utiliser les trucs. Faut juste pas rester dans les zones de poison, évidemment. Mais ouais, c'est cool. Ça fait plaisir. On a encore un petit moment. On va encore tester. On va encore regarder les zones, s'il n'y a pas genre des cadavres qui traînent dans les zones de poison. Parce que ça, ils aiment bien faire ça. Enfin, ça me paraît logique, en fait, d'avoir mis des cadavres dans les zones de poison. Parce qu'on en a... Il y en a un qu'on on a réussi à looter. Qui était proche d'une zone de poison. Donc, je veux voir un peu ce qu'il y a d'autre. Nickel. La lampe. La lampe, au final, elle... si, elle est bien, mais... kilos. Et on est fatigué, on va pouvoir dormir. Parfait. Parfait, parfait. Putain, je suis content, ça se passe bien. Alors, on avait où aussi? On a là. Qu'est-ce qu'on a de... qui semblait, genre, qui pouvait cacher des choses. Je dirais là. On est toujours empoisonné, 7%, ça va. Une aurore boréale. Je suis en train de me bloquer comme un débile. Ok. Ça va, 25%, ça va. Très bien.
Bon, le... Ça va, on peut faire comme ça en fait. Pour passer les zones rapidement. Parce que maintenant, on détruit pas notre équipement, donc ça va. Et là, on va devoir dormir, donc les 25%, ils vont sûrement disparaître. Je fais une dernière vérification du matériel. Ouais, non, ça a l'air d'être normal. Donc il y a plusieurs endroits pour trouver les équipements de mineurs. Bon, ce qui paraît normal. Hein. Bon, bah c'est bien. Toujours pas de thermos, mais c'est bien. On va rentrer, on va dormir. Ben voilà, ça va être la fin de notre épisode, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Non, 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 je pense qu'on... Ça va être la fin de notre épisode. Je vais juste poser des tissus. Pourquoi pas? On a un autre casque. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ça va, ça commence à être séché. Est-ce qu'on a besoin de réparer des choses? Pas vraiment. Je suis content d'avoir trouvé ça. Je suis vraiment trop content d'avoir trouvé ça. C'est vraiment cool. Très bien, très bien, très bien, très bien. Il n'y a rien à dire, j'ai rien à dire honnêtement, parce que là ça se passe super bien. On va continuer la prochaine fois. On décidera ce qu'on fait. Je vais réfléchir à quoi faire. Je vais réfléchir à quoi faire, parce que je sais, je vais être honnête, je sais pas trop quoi faire. Maintenant, je sais pas où aller en fait. Bah non, si! Ah si, non, si, je sais. J'ai pas mis les pots. Si, je sais quoi faire. Mine niveau 1, mine niveau 2. Potentiellement retourner mine niveau 3 aussi. Si, 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 il y a encore des tonnes et des tonnes de choses à visiter. Ah oui, on a une clé. Elle faisait quoi la clé? Clé de la mine, c'est ça? Clé de la mine. Il y a le contremaître et il y a la mine. Contremaître, il est en bas, il est à l'intérieur. Et nous, on a récupéré une clé de la mine. Attends, on peut pas regarder la clé. Oh là là, elle est où la clé? C'est pas ça que je veux faire, ah, c'est ça. Ah oui, on a eu la photo instantanée aussi. C'est le lac mystère. J'ai l'impression qu'il me manque des photos instantanées. Ah mais c'est celle-là qui on a eu. Je me suis trompé de chemin, revenant à l'aérodrome, je suis tombé sur une petite grotte avec une chute d'eau visible au loin. C'était vraiment paisible. Ça aussi, ça s'est pas affiché sur la carte. Donc on sait pas où il faut aller. Attendez que je dise pas de bêtises. Mais ça s'est pas affiché sur la carte, donc on sait pas. S'il faut, ça fonctionne pas. Aucune idée. Ah, c'était pas là? C'était pas là qui était fermé, maintenant? Je vais honnêtement regarder mes anciens épisodes pour voir si c'est pas ça. On pourrait faire ça la prochaine fois. Retourner à la mine. Ou alors on redescend la mine ici en fait.
pas de tout, dans tous les coins, on ira à la mine. Ah mais c'est fun, honnêtement c'est fun. Il y a juste trop de trucs de tous les côtés. Enfin, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est juste que ça risque de prendre du temps de vraiment tout visiter. Et c'est un peu embêtant. Si jamais je tourne en rond, genre je couperai à la limite. Mais voilà quoi, j'ai un peu peur de tourner en rond à des moments. Pour l'instant, on a encore plein de viande, donc ça va. On va dormir le plus possible. Et on se naît nickel. Voilà, on est déjà à 6%, hein, vous voyez, donc au final, c'est pas si dangereux que ça. J'ai vu des gens qui se sont... Apparemment, qui ont contracté le poison et tout ça. Je sais pas comment ils se débrouillent, les gens. Pourtant, nous, on fait attention et tout, quoi. Enfin, je sais pas. Ça me paraît pas aussi dangereux que ce que j'imaginais. Moi, j'imaginais un truc nettement pire. Donc, bon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Et la prochaine, ce sera des mines. Une mine. Une mine. Laquelle, je sais pas, mais ce sera des mines encore. À la prochaine. Ciao, ciao.